Bienvenue à tous au stade de Djeffa pour ce match de la troisième journée du championnat national de football dans la zone C. Adidja accueille aujourd'hui UPONM. Il faut rappeler que cette formation de Adidja était au repos pour la première journée. Un jeu qu'on va suivre ce soir ici à Djeffa. C'est le coup d'envoi. Le coup d'envoi donné par Ayobami Samuel ici. Kassoum. Ballon perdu par Kassoum. Quelle entame de match de Barthélémy. Barthélémy sur le flanc droit. Que va-t-il faire? Le centre en retrait de Barthélémy qui trouve Fatih. La coupure. Quelle frappe de. En direction de Adekunle. Très belle passe de la poitrine à Adekunle. Paul, on va essayer de trouver Paul rapidement. Paul est dans la surface, que va-t-il faire? Ballon malheureusement perdu. Faute commise par Barthélémy sur Alassane Mohamed. Belle intervention de Odilon là sur Paul, l'attaquant de Adida. Barthélémy qui retrouve Fatih pour Barthélémy. Quelle belle sortie de balle. Quelle belle action. Attention, Boubaka. Quelle belle action de Pupi, cette magnifique sortie de balle en 1-2. On le disait. L'attaquant a découlé Samuel. Allez, on va suivre cette belle action, cette belle occasion pour Adidja FC. Alassane Kassoum, que va-t-il faire? Coup franc directement tenté, mais qui passe malheureusement à côté. On va attendre maintenant le coup de sifflet de l'arbitre. Attention à ce coup franc là. Coup franc tiré directement dans le mur. Quelle occasion gâchée là. Ballon perdu et puis récupéré rapidement Léo Chris maintenant. Léo Chris qui essaie d'être lancé en profondeur. Léo Chris, le centre de Léo Chris, mais Arnaud qui va dégager sa défense. UPONM est 8e avant-dernier à égalité de points avec le dernier de classe, Sita Tonga. Quelle occasion pour UPONM! Quelle occasion ratée, attention! Penalty accordé là par le juge central sur une tête du par le juge central sur une tête du cap par le capitaine Guido Boubaka. Allez, on va. Attention à Guido Boubacar, toute la concentration du tireur qui s'avance à pied droit et s'est transformé. Guido Boubacar qui va ouvrir le score ici au stade de Djeffa pour Fatih qui loupe sa passe et le ballon est tout de suite renvoyé vers l'avant pour Adekunle Samuel qui essaie de gagne son duel face à Arnaud qui joue en arrière pour Marius. Marius gagne son duel face à Mike Tolar et en jeu malheureusement